Sensation. Sensation, le mag. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Sa voix ne vous est certainement pas inconnue si vous êtes familier de notre playlist. Son titre « Attiser le dilemme » sorti en avril dernier a été un véritable succès. Je reçois aujourd'hui l'artiste Rosie Vallant. Bonjour Rosie. Salut. En 2014, vous avez sorti votre premier EP intitulé Rosie Vallant. En 2015, vous sortez un album, Partir avant, qui connaît un vrai succès. Puis deux autres EP en 2016 et 2017, Nord-Est et Synchro. Et enfin, un second album en 2020, intitulé Bleu. Québécoise, vous avez partagé votre vie entre la France et le Canada. Cette diversité culturelle vous a permis de chanter auprès de nombreux artistes. Comment est née votre passion pour la musique et quelles sont vos inspirations, Rosie Vallant? En fait, j'ai toujours chanté depuis que je suis toute jeune, mais c'est vraiment vers l'âge de 17 ans que j'ai commencé à composer mes propres chansons. Puis à la base, une de mes influences, c'était Cœur de pirate, que vous connaissez bien, je crois. Puis ouais, ça a juste débuté tranquillement, puis depuis, j'ai pas chômé, non. Alors, votre dernier album Bleu est sorti en 2020, je l'ai dit en introduction, il est apparu très vite comme un succès, et c'est surtout un marqueur de changement, un nouveau chapitre dans votre carrière, comme débarrassé de vos complexes. Est-ce que vous avez le sentiment que cet album vous représente plus finalement, que votre carrière a pris un nouveau tournant avec cet album? Oui, c'est la première fois aussi que je signais le titre de réalisatrice avec mon collaborateur de toujours, mais je pense que d'avoir ce rôle-là dans cet album-là a fait que là, j'avais vraiment main prise sur les décisions plus artistiques et tout, puis je pense que c'est le début de quelque chose, cet album-là, puis tu vois, les nouvelles compositions, ils sont teintés de ça, en fait, donc... Oui, il y a vraiment un avant puis un après de cet album-là, en fait. Je pense aussi que c'est le début d'arrêter de vouloir plaire à mes peurs puis d'assumer ce côté-là pop que j'ai en moi puis que j'ai toujours eu, mais que rapidement, j'ai voulu être plus indée que je l'étais peut-être. Mais donc, ouais, c'est un album très, très important pour moi. Alors cet album, vous l'avez dit, vous l'avez fait avec votre amie de longue date, Jessie McCormack. Comment s'est faite cette collaboration? Pour la première fois, vous l'avez dit, vous avez revêtu la casquette de réalisatrice. Est-ce que ça vous a permis une certaine liberté que vous n'aviez pas avant? Oui, mais elle s'est faite naturellement, tu sais, dans le sens que je pense que plus que les années avançaient, plus que je prenais confiance, puis jamais on s'est assis puis que j'ai dit « Ok, là, je veux celui-là le réaliser. » Je pense que c'est une collaboration qui s'est faite très naturellement. Puis de plus en plus, je prenais plus de place dans ce chapeau-là. Donc, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'il y a quelque chose qui devient de... On se parle plus vraiment. Il y a quelque chose qui se fait sans même avoir besoin de communiquer. Donc, c'est une collaboration qui est très précieuse, puis les années font que, justement, il y a cette confiance-là de part et d'autre. Rosie Vallant, vous avez passé une partie de votre jeunesse au Canada, à Montréal. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière? En fait, pour moi, Montréal, au Québec, c'est l'épicentre de tout. C'est là qu'il se passe les spectacles, toute l'industrie musicale, donc... Très rapidement, pour moi, c'était sûr que j'allais déménager en ville, tu sais, puis j'y habite depuis que j'ai 17 ans, donc Montréal, pour moi, c'est les rencontres, c'est mes confrères, c'est mes collaborateurs, c'est vraiment un lieu très créatif, puis qui, pour avoir voyagé un peu, qui est aussi, il fait bon vivre à Montréal, c'est pas encore très cher, c'est la vie est plus facile, je crois, puis ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui habite dans cette ville-là, ouais. En 2022, vous sortez « Attiser le dilemme ». Ça a été tout de suite un véritable succès. Je vous propose qu'on écoute un extrait et on en parle juste après. On m'a dit « Comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi ?» Et même que si j'ai pris la porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme, car jamais j'ai voulu que tu m'aimes. Sans les autres voix qui s'élèvent autour, qui m'éveillent, je serai de celles qui allègent encore tes torts. Sans les autres voix qui font le discours,
pointent les vautours. Je serai de celles qu'on accuse encore. Attiser le dilemme a été streamé plus de 32 000 fois sur Spotify. Ce titre pop s'adresse aux femmes et fait notamment référence au mouvement MeToo. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans ce titre ? En fait, je voulais rendre hommage à ces femmes-là qui ont pris parole parce que pour moi, il y a un avant puis il y a un après, en fait, dans tellement de sphères, tellement de milieux de travail et tout. Donc, mais aussi parce que moi, avant ce mouvement-là, je pense que j'avais une vision des inconduites sexuelles qui était très monolithique. Là, qui, dans ma tête, c'était une chose. Puis de pouvoir lire des centaines, des milliers de témoignages, puis de me reconnaître dans tellement de témoignages. Mais pour moi, ça a été très révélateur. Puis, je pense que j'ai repris pouvoir sur certaines de mes histoires, en fait. Puis j'avais juste envie de souligner ça, puis c'est un peu ma façon à moi de dire Me Too, tu sais, j'ai clairement pas ce courage-là, mais c'est ma façon de le faire, puis en même temps aussi de leur dire merci. Et en tant qu'artiste, justement, c'est important pour vous d'utiliser la musique pour dénoncer et pour parler de certains sujets de société? Je l'ai fait... Du coup, je réalise avec le temps, mais je pense que oui, mais c'est jamais forcé pour moi. J'espère que ça sonne naturel puis que ça sonne pas surfait, là, tu sais, dans le sens que pour moi, le militantisme, il se vit au quotidien puis il est très naturel, tu sais, il est pas... J'ai pas envie de défendre haut et fort, mais j'ai juste envie de faire ma petite place puis de changer les choses à mon échelle à moi. Donc, je pense que c'est à ça que ça sert, l'art, c'est de poser un regard contemporain sur quelque chose, et ça n'a pas besoin d'être plus que ça, je pense. Ça peut juste être une photo de ce qui se passe, en fait. Puis je pense que c'est ce que je fais. Et justement, Rosie Vallant, vous avez à cœur d'aborder des thèmes importants comme le rapport au corps, le regard des autres, la pression familiale ou encore le militantisme, vous en parliez. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée aujourd'hui? Je pense que oui, en fait, mais dès que tu fais de l'art, pour moi, t'es engagé. Puis même si tu parles pas nécessairement d'enjeux très, t'es comme qui est dans l'air du temps, mais moi, je pense que juste d'être artiste, de vivre cette vie-là, c'est une façon d'être engagé, t'sais, puis d'être à la marge de ce qui se fait. Donc, mais oui, c'est sûr que je me considère. Mais j'aime prendre position, puis je le suis dans ma vie, tu sais, je le suis avec mes parents, je le suis avec juste naturellement, c'est ce que je fais, donc je me sens pas comme... Mais comme je dis, c'est pas forcé, c'est pas... Il y a pas un désir de déranger, il y a juste comme... C'est ce que je pense, en fait, c'est très sincère. Alors, j'imagine que vous avez plein d'autres sujets en tête. Quels sont vos projets pour la suite, Rosie Vallant? Je crois que vous avez un nouvel album en préparation. De quoi est-ce qu'il va parler? Oui, en fait, il va sortir cet automne, quelque part cet automne. Et je suis dans les préparatifs de promotion et de tout. Fait que je suis vraiment là-dedans en ce moment. Je suis très, très excitée de sortir les nouvelles chansons parce que, pour moi, on parlait de mon album bleu tantôt, mais je sens que c'est une version aboutie de ce désir-là d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus dansant, de plus... Ouais, je pense qu'on a besoin d'être ça, là, au sortir de la pandémie. On va avoir besoin de danser, on va avoir besoin d'avoir du plaisir. Puis je sens que les nouvelles chansons portent ça en elles. Fait que j'ai très, très hâte de les sortir, ouais. Alors, vous êtes aujourd'hui une artiste accompli, quels conseils vous donneriez à des jeunes artistes qui souhaitent se lancer dans la musique? De juste le faire, de pas... Ouais, je pense que l'action fait que plus que tu crées, plus qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, ouais, je pense que c'est juste de créer, puis de pas laisser trop de place au doute, je pense qu'il est important, mais l'action, c'est ce qui enlève le plus d'anxiété, puis de plus de... Ouais, qui fait du sens, en fait. Fait que... Je dirais ça, de ne pas arrêter. Merci Rosie Vallant d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'interprète du single Attiser le dilemme et que votre nouvel album sortira en octobre prochain. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.